Dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est un OAV? OAV ou OVA est l'abréviation d'Original Animation Video ou Original Video Animation. Pas de traduction à faire car on connaît ces mots. On utilise ces termes pour les animés qui ne sortent pas sous un format TV ou au cinéma. Celles-ci vont avoir plusieurs façons d'être exploitées. Quand un animé va être commercialisé en DVD, il pourrait y avoir en bonus une OAV en rapport avec la série. On les connaît, ce sont souvent des compléments sans réel grand intérêt, avec une animation pas folle et principalement basée sur de l'humour. Attention, je parle là d'une majorité des OAV fournis en bonus de DVD. Mais des fois, il y a des OAV de bien meilleure qualité. Sinon, parfois, il y a des OAV qui sont fournis en complément de l'achat d'un tome de manga. Souvent, il s'agit soit d'un épisode complémentaire à l'anime TV, ou d'un épisode pilote de ce que pourrait être l'adaptation à un anime. Exemple, l'OAV de Drifters. Pour l'achat du tome 5 du manga, était fourni avec un DVD contenant les deux premiers épisodes en version pilote pour promouvoir l'anime qui allait paraître 4 mois plus tard. Et enfin, on a les séries animées qui peuvent être une OAV. C'est-à-dire que l'anime sort directement en DVD, Blu-ray, VHS, nanana. Enfin, tu vois ce que je veux dire au format physique, quoi. Ces animés disposent d'un plus gros budget pour la production et d'un meilleur planning, étant donné qu'ils ne doivent pas sortir un épisode par semaine. Souvent, ces animés sont de meilleure qualité visuelle que certains animés TV, tandis que d'autres, non! Et ce sont ces types d'OAV les plus connus. Je peux vous en citer, vous verrez des noms connus. On peut commencer par citer le grand space opéra Ginga Heiyuu Densetsu. Ce nom ne vous dira sûrement rien, mais dites-vous qu'il s'agit là d'un très grand succès à l'époque, l'un des animés les mieux notés sur MyAnimeList. Je peux vous citer aussi Helsing Ultimate, une version plus belle que l'autre animé Helsing, mais on va pas s'éterniser. Je vais juste vous donner les noms les plus connus, comme cela vous aurez un petit visuel. Alors, nous avons Devil May Cry, Hunter x Hunter avec Green Island, Ushusenka Yamato, version alternative de la série TV, Gundam, Folikuri, Golden Boy, et plein d'autres. En voyant ce nom, vous devez vous dire « Ah ouais !» Je pensais que c'était des animés sans espoir. Eh ben non. En effet, le format physique au Japon n'est pas mort. Mieux même, car leurs DVD coûtent plus cher que chez nous, ce qui assure une certaine rentabilité pour ces OAV. Même si ces derniers se meurent de nos jours. Eh oui, avec l'arrivée des ONA, les spectateurs se divisent. Mais on l'abordera dans une autre vidéo.